Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour mon test de cette raquette, la Head Prestige MPL. C'est parti. Allez, on va voir un petit peu de quoi il s'agit avec cette raquette, mais comme d'habitude, d'abord, je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain. A tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Head Prestige MPL que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors Tennis Warehouse USA, ça dépend où vous habitez. Je suis partenaire avec ces sites et c'est très sympa à vous si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié. Ça indique que vous venez de ma part et comme ça, ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés en cliquant sur le « i » par ici. Mes liens sont aussi dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi saisir l'une des adresses qui s'affiche directement sur la vidéo. Allez, on y va et d'abord, on va commencer avec une présentation un petit peu de la gamme Prestige. Alors la gamme Prestige, j'ai l'impression qu'elle a toujours existé chez Head, je l'ai toujours connue.
Gamme Prestige, c'est les raquettes les moins puissantes, des raquettes orientées contrôle. Chez Prestige, une gamme qui a évolué au fil du temps pour proposer comme des raquettes plus abordables, plus faciles à jouer. C'est le cas de cette raquette, on va en parler. Donc, gamme Prestige, les Head les moins puissantes. Ensuite, rapidement, chez Head, il y a les Extrêmes, raquettes puissantes orientées lift, les Instinct, puissance, polyvalence. Les Speed et les Radicals, c'est intermédiaire en termes de puissance. Speed, peut-être un tout petit peu plus facile à jouer, tamis plus grand, un peu plus tolérante. Et les Gravity, ça donne un accès intéressant au lift avec quand même un bon contrôle. Alors, il faut voir qu'à partir de 2021, à partir de cette gamme, Head a renommé toutes les Prestiges. Alors, la Prestige MP s'appelle désormais la Prestige Pro. La Prestige Pro s'appelle maintenant la Prestige Tour. La Prestige Tour s'appelle maintenant la Prestige MP. Et la Prestige S s'appelle maintenant donc la Prestige MPL. Donc, ce n'est pas une nouvelle raquette, en fait, c'est le nouveau nom de la Prestige S. Donc, il ne faut pas s'y perdre. Si vous changez de raquette, là, faites la correspondance entre la Head Prestige que vous aviez avant et les nouveaux noms, parce que c'est peut-être l'occasion là de faire des erreurs. Donc, pour moi, dans la gamme Prestige, la MPL, c'est la Prestige la plus facile à jouer. À noter qu'avec cette nouvelle gamme, il y a intégration donc de la technologie Auxetic que j'ai vu apparaître sur les Head Boom. Technologie en fait qui correspond à l'utilisation de matériaux qui ont la propriété assez surprenante de se dilater quand on les étire dans le sens de la longueur et de se contracter quand on les compresse. Ils font les choses un petit peu à l'envers. C'est une technologie d'ailleurs qui n'est pas utilisée uniquement dans le tennis, c'est utilisé dans plein de domaines, mais là pour la première fois c'est utilisé dans le tennis. Objectif, permettre une déformation optimale du cadre quel que soit l'endroit où on frappe la balle, donc avoir toujours une bonne réponse et une bonne tolérance aussi. Et au passage, c'est intéressant pour absorber choc, vibration et du coup améliorer le confort de jeu. Allez, on se regarde les caractéristiques de cette raquette que je comparais au passage avec celle de l'ancien modèle. Poids de la raquette, 300 grammes non cordé. Sur le modèle précédent, c'était 2,95, donc on monte un petit peu le poids. C'est important si vous aviez le modèle précédent. Équilibre, on passe de 32,5 cm à 31,5 cm sur cette raquette. Un équilibre plutôt côté manche, raquette légère en tête, ça va aider pour la maniabilité. Ça, c'est intéressant aussi. Swing weight, 313, c'est relativement bas. Ça va donner une idée de la maniabilité, mais du coup, il y a une bonne maniabilité avec cette raquette. Taille de tamis, ça c'est intéressant aussi, 639 cm². Comme la version précédente, c'est très rare, ces tailles de tamis. Actuellement, quand je fais la vidéo, il y a 4 raquettes qui ont cette taille de tamis. Donc la Prestige MPL, la Prestige MP, qui avant s'appelait la Prestige Tour. Il y a une Pro Kennex en 265 grammes, si je me rappelle bien, et il y a une Volkel. Voilà, enfin, il y a 4 raquettes avec cette taille de tamis, c'est très rare. Le plus souvent, c'est 632, après on passe à 645. 6,32 plus contrôle, 6,45 plus puissant, et du coup on est entre les deux. Donc compromis intéressant entre le contrôle, la puissance, la tolérance, et aussi, pour moi en termes de sensation, s'il fallait choisir, ça se rapprocherait même un petit peu plus d'un tamis 6,32 que d'un tamis 6,45. Mais c'est vraiment un intermédiaire, un compromis intéressant avec cette taille de tamis. Plan de cordage 16x19, comme l'ancienne version, ça c'est polyvalent. Profil 21,5 mm sur toute la hauteur du cadre, alors ça c'est fin. Ça va donner de la souplesse, réduire la puissance de la raquette. Rigidité moyenne de 65, avant c'était 64, c'est quasiment pareil. Souplesse intermédiaire. Et longueur classique de 68,5 cm. Allez, maintenant on va parler de mes sensations de jeu sur le terrain. On va commencer avec la puissance de la raquette. Et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Comme ça, ça vous aidera un petit peu à situer la raquette. Alors, qui dit Head Prestige dit raquette orientée contrôle avec une puissance réduite. Ça déjà c'est sûr. Après, les Prestiges, ça a évolué, et pour moi, ça, c'est la raquette, la Head Prestige, la plus facile à jouer. Donc, le côté contrôle, il est bien présent. C'est sûr que ce n'est pas une raquette qui va donner de la puissance facile. On ressent le côté contrôle, ça ne part pas dans tous les sens. Mais en même temps, il y a quand même une dose de puissance qui est correcte. C'est une raquette qui n'est pas trop dure à jouer. Mais attention à nouveau, quand même, à ce côté contrôle qui est bien présent sur cette raquette. Je dis ça pour des joueurs qui ont un style de jeu qui n'est pas très puissant, qui recherchent de la puissance facile. Attention, si vous manquez déjà un petit peu de longueur dans vos coups, c'est pas forcément cette raquette qui va vous aider à trouver de la longueur facilement, mais il faudrait voir aussi quelle raquette vous utilisez actuellement. Donc avec son poids de 300 grammes, tamis de 639 moyen et son plan de cordage 16x19, c'est quand même une raquette qui va être assez accessible malgré son petit côté contrôle qui est bien présent. La plus puissante, la plus facile à jouer des Head Prestige. Perso, côté coup droit, c'est correct, mais j'ai quand même manqué un petit peu de puissance. Au début, j'ai fait pas mal de fautes dans le filet, j'ai manqué de longueur. Il a fallu que je m'adapte, que je mette un petit peu plus de hauteur, un petit peu moins de lift, voilà, pour trouver de la longueur de balle. Côté coup droit, au bout d'un moment, ça allait, mais j'imagine tout de suite ce que ça donnerait en match, avec un petit peu de fatigue, un peu de crispation, parce que j'ai beaucoup joué avec les Head Prestige. J'ai eu la Head Prestige Mid, Head Prestige 600, après j'ai eu Head Prestige MP. Et en coup droit, il fallait vraiment être super relâché, sinon tout de suite, ça n'avançait plus, c'était carré de service.
C'est compliqué. Donc, à mon avis, ce serait plus facile avec celle-là, mais il y aurait quand même ce risque pour moi qui n'est pas un coup droit naturellement qui est relâché, qui part facilement. Donc, il faut faire attention à ça. Côté coup droit, je serais limite avec cette raquette. Côté revers, où je joue moins lifté, je suis bien relâché, c'est un point fort mon revers. J'ai adoré la raquette de ce côté-là. Bon mix puissance-contrôle. Vraiment, quand j'ai laissé partir le revers à fond, vraiment pleine puissance, il y a même des moments où j'ai manqué un petit peu de contrôle. Donc, si on est très très puissant, on peut manquer de contrôle avec cette raquette, mais alors là, quand même, il faut y aller. Côté revers, je dirais vraiment, j'ai adoré. Côté service, point faible, je manque de puissance, donc c'était correct, mais je suis vraiment plus à l'aise avec des raquettes qui donnent plus de puissance. J'ai quand même adoré jouer avec cette raquette. C'est un tout petit peu trop dur à jouer pour moi, mais j'ai vraiment pris du plaisir à jouer avec cette raquette. Ça m'a rappelé les sensations que j'avais quand je jouais avec les Prestiges. Donc, globalement, je recommande quand même d'avoir une bonne technique gestuelle pour jouer avec cette raquette, surtout en fond de court et au service. C'est un jeu quand même plutôt puissant. Des gestes plutôt amples et relâchés, ainsi le jeu pas trop lifté. Donc puissance moyenne, c'est relativement facile à jouer, mais on sent quand même le petit côté contrôle qui est bien présent sur cette raquette. Allez, on parle un petit peu des effets. Je commence avec le chop, revers chopé. Très bonne sensation, comme d'habitude. En général, quand je teste des raquettes, j'ai toujours des bonnes sensations en chop. Là, peut-être encore un petit peu plus parce que la raquette, elle est un petit peu orientée contrôle. Donc ça m'aide à me libérer, à vraiment oser m'appuyer sur la balle pour faire des chops tranchants et agressifs. Donc vraiment très très bonne sensation côté revers chopé avec cette raquette. Côté lift, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment côté coup droit, il a fallu que je m'adapte un petit peu. Moi, ça m'arrangerait d'avoir une meilleure prise de lift côté coup droit. Au début, je manquais un petit peu de longueur quand je voulais lifter, ça, il n'y avait pas de longueur, et en même temps, je perdais en puissance. Il a fallu que je m'adapte en coup droit, finalement, ça allait, mais un accès au lift un peu plus facile. Moi, ça m'aiderait sur le coup droit, également au service, mais pareil, moi, le service lifté, ce n'est pas du tout un point fort. Donc, si en plus, je prends une raquette qui est exigeante, qui ne prend pas facilement le lift, ça donne des services liftés qui vont pas très très vite. Donc moi, pour faire des services liftés un peu plus performants, une raquette avec un accès au lift plus facile, ça m'arrangerait. Donc un peu dur pour moi côté coup droit, côté service. Côté revers, très bien, mais j'ai un revers où je lifte pas trop, mais aucun souci côté revers lifté. Vraiment, c'était bon de ce côté-là. Donc finalement, je dirais, on a un accès au lift qui est correct sur cette raquette, mais il ne faut pas s'attendre à un accès au lift super facile, super monstrueux. Si on gratte beaucoup la balle, on veut vraiment un accès au lift très facile. Il faut plutôt voir du côté des heads extrêmes. Alors ensuite, j'ai trouvé que la raquette avait une très bonne maniabilité. La raquette est plutôt légère en tête, avec son équilibre côté manche, 31,5 cm, swing weight 313, c'est relativement bas. Très très bonne maniabilité avec cette raquette, que ce soit en fond de court, à la volée, même au service, ça peut aider un petit peu quand c'est un point faible, ce coup, pour accélérer quand même la raquette. Donc vraiment bonne maniabilité. Et en même temps, j'ai trouvé que la stabilité était tout à fait correcte sur cette raquette. Alors ensuite, en termes de confort, j'ai trouvé que c'était très très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer vraiment avec cette raquette, même si je manquais un petit peu de puissance par-ci par-là, des fois, notamment côté coup droit. Vraiment, j'ai adoré jouer avec cette raquette. Donc on a du confort, un amorti des vibrations, mais tout en gardant, à mon avis, des sensations qui sont classiques. Donc vraiment sympa en termes de confort. C'est mieux quand même si on a une bonne qualité de centrage de balle, mais il y a quand même une tolérance qui est correcte en même temps si on décentre un petit peu. Donc je trouve vraiment super confort avec cette raquette et tolérance tout à fait correcte également. Allez les amis, pour terminer cette vidéo, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette raquette. Alors d'entrée, pas à des débutants, hein. Ça va être trop dur à jouer en termes de puissance, là quand même c'est exigeant. Donc débutants, on évite d'ailleurs la gamme Prestige. Je dirais plutôt niveau de jeu intermédiaire ou avancé, on va dire troisième série, je dirais quand même milieu, fin de troisième série, début de seconde série, ou plus loin en seconde série si on veut une raquette qui reste quand même assez légère, avec quand même une bonne technique gestuelle. Mais je recommande quand même plutôt d'avoir des gestes amples, relâchés, pas trop forcés, pas trop avoir l'habitude de batailler pour trouver de la puissance parce que ça risque d'être accentué avec cette raquette. Donc une bonne technique, donc un jeu relativement puissant, mais en même temps pas la peine d'être surpuissant, mais il faut un jeu relativement puissant parce que la raquette est un petit peu orientée contrôle. Un jeu pas extrêmement lifté, parce qu'on a vu, il y a pas une prise, il y a une prise de lift qui est correcte, mais qui n'est pas non plus monstrueuse. Donc des joueurs qui veulent une raquette avec une puissance moyenne, une sensation de contrôle bien présente, mais en même temps une raquette pas trop dure à jouer non plus. Une raquette avec un équilibre plutôt côté manche, donc très bonne maniabilité avec cette raquette, vraiment un bon confort. J'ai adoré les sensations, un bon amorti des vibrations. Des joueurs qui recherchent une raquette orientée contrôle qui ne soit pas trop lourde, parce que ce n'est pas forcément facile d'en trouver avec un poids de 300 grammes, ça rend la raquette accessible. Des joueurs par exemple qui jouent avec une raquette plutôt contrôle de 305 grammes, il y en a beaucoup, et qui voudraient quelque chose de juste d'un petit peu plus facile à jouer, d'un tout petit peu plus léger, ça peut être intéressant. Puis des joueurs d'une façon générale qui apprécient les sensations de contrôle données par les heads Prestige et qui veulent tout simplement la raquette la plus facile à jouer de la gamme Prestige. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire. Moi je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Allez, salut à tous.